Nous sommes ici dans l'exposition consacrée à Sheila X, exposition qui s'appelle Ligne de vie, qui est consacrée à cette artiste américaine qui est née en 1934 et qui, depuis 1964, vit et travaille à Paris. C'est la première rétrospective dont bénéficie cette artiste en France. Donc nous pouvons découvrir dans cette exposition près de 150 œuvres. La plus ancienne est de 1957 et la plus récente de 2018. Ce n'est pas simplement une artiste qui est sortie de la tapisserie, qui a outrepassé le modèle historique de la tapisserie. C'est quelqu'un qui fait de la sculpture avec de la laine, de la soie, du coton, du lin, comme d'autres font de la sculpture avec du bois, de l'acier ou du bronze. Nous voulions, dans cet espace quadrangulaire ouvert sur la ville, permettre un contact très direct avec les œuvres en n'organisant pas l'exposition de façon chronologique, en ne proposant pas un parcours, mais en permettant aux spectateurs de déambuler librement afin d'optimiser la possibilité d'une rencontre sensorielle, émotionnelle avec ces œuvres dont la plupart d'entre elles sont des coulées de peinture dans l'espace. Sheila X, c'est quelqu'un qui peint sans pinceau, qui peint avec de la matière textile, avec de la fibre et qui peint directement dans l'espace sans un support. Le toucher, la vision, la couleur, ce sont les grandes données qu'active le travail de Sheila X. L'un des enjeux de cette exposition, c'est sans doute de faire prendre conscience au public de la dimension proprement sculpturale de son travail, de permettre au public de mesurer qu'elle peint dans l'espace et non pas simplement de voir Sheila X comme une figure, aussi géniale soit-elle, aussi pionnière soit-elle, de l'art textile.